Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, dirigeants de partis politiques, mes chers amis de la société civile, la presse nationale et internationale, le secteur démocratique et populaire a pris la décision politique et historique de signer l'accord politique sur une gouvernance apaisée et consensuelle de cette période intérimaire. Cela n'a pas été une décision facile. Et comme vous le savez, le secteur démocratique et populaire a pris naissance dans une dynamique de confrontation et de contestation politique. Et c'est pas chose facile, c'est difficile, c'est compliqué pour un mouvement politique qui a pris naissance dans cet esprit-là d'accepter de venir signer un accord politique. Et c'est ça qui est passé dans tout le pays d'Amérique latine avec la gauche. Là, on a pris une décision. Ouais, on se combat, il y a une différence d'armée, et puis on va rentrer dans l'ordre dynamique politique. C'est douloureux, ce n'est pas facile. Mais nous avons compris qu'il est venu le temps de construire ce pays sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Le sénateur Corbière qui m'accompagne pour signer cet accord au nom du secteur démocratique et populaire, avec lui-même, nous pourrons poser un acte historique. Je remercie les milliers de militants, de sympathisants, les cadres et les dirigeants du secteur démocratique et populaire qui ont pris cette décision. Ce n'est pas une décision du directoire, c'est une décision de l'ensemble de l'organisation. Nous, des petites populations, nous pas intéressés, nous pas aucune folie, mettez mon président à tout prix, nous pas aucune folie, mettez mon premier ministre à tout prix. Pour nous, seules les revendications de la population sont fondamentales, tout le reste est détail. Et nous avons signé un accord politique, ça, parce que nous te promettons diaspora, secteur démocratique, là, te promettons diaspora, que la bataille, pour que dans le conseil électoral qui va être fait là, il y aura un représentant là-dedans. Et comme dans l'accord, ça, il est clair, il y a un représentant pour la diaspora dans la formation du CEP, nous signons un accord politique là. Nous avons signé un accord politique, ça, parce que nous te dit, jamais, au grand jamais, nous ne laisserons de côté les revendications de celles et ceux qui étaient dans les rues avec nous. Nous avons signé un accord politique, ça, parce que dans l'accord politique, ça, il dit très clairement, procès Petro Caribé, procès massacre La Saline, massacre Belé, massacre Delma 32, dossier ça, il y a avancé, il n'y a pas campé. Nous avons signé un accord politique, ça, parce que il dit très clairement, le dossier de l'assassinat du bâtonnier d'Orval, nous ferons avancer ce dossier. Nous signons un accord politique, ça, parce que nous disons, un dossier comme le dossier Petro-Caribé, d'autres crimes financiers qui ont été perpétrés dans ce pays pendant les 20 dernières années, c'est hier là, c'est des dossiers importants, on ne saurait faire taire ces dossiers. Nous avons signé un accord politique, ça, parce que le dossier, ça, est là-dedans. Nous avons signé un accord politique, ça, parce que nous avons dit, population, il faut un gouvernement de consensus. Et dans cet accord, le Premier ministre et les signataires se sont engagés à mettre en place immédiatement, en la signature de cet accord, ce gouvernement de consensus. Donc, si un accord politique, ça, parce que, on dit très clairement, dans l'accord, ça, il faut un engagement qui prend pour rétablir la sécurité et casser les gangs. Et nous-mêmes mettons en place dans l'accord une cellule anti-gang et anti-terroriste pour combattre le groupe criminel. Nous acceptons si un accord politique, ça. Nous, si un accord politique, ça, parce que nous, 10 PM, non. Les gens qui sont derrière les barreaux pour leurs convictions politiques, ce sont des camarades de combat. Et dans l'accord politique, ça, il dit très clairement que les dossiers des différents prisonniers politiques et parapillards dans le pays, ces dossiers, on va les activer, on va libérer tous les prisonniers politiques incarcérés dans les prisons de la République. Nous avons signé un accord politique, ça, parce que nous disons, nous avons fait gestion
efficace et saine des maigres ressources de l'État. C'est nous-mêmes qui commençons pour ce pays au Caribe. Nous avons fini encore. S'il n'est pas clair que la gestion sera autrement. Il y aura un audit de gestion des organismes autonomes, c'est très important. Donc, si y a encore politique, ça, parce que revendication peuple-là, il y a encore politique. Là. Seule concession qui fait, c'est à propos de bicéphale ou monocéphale. Nous te souhaitons mon gouvernement, l'exécutif, bicéphale. Nous avons un côté, c'est parce que blanc parlé. Les acteurs politiques et de la société civile. Tout le monde tellement besoin de président, n'ont pas qu'arriver à faire consensus pour nous choisir un président. Ce n'est pas la faute à la communauté internationale s'il n'y a pas de président. C'est parce que nous n'ont pas capables de faire consensus pour nous choisir président. Et comme en politique, faire un compromis n'est pas synonyme de faiblesse, faire un compromis n'est pas synonyme d'absence de conviction, nous fait concession. Hein? Nous dit, en attendant le rétablissement de la présidence, eh bien bon, le conseil des ministres, sous la direction du premier ministre, exercera le pouvoir exécutif. Nous signons accord politique ça, parce que toute revendication population la donne, même si nous fait quelques rares concessions. C'est l'histoire qui jugera les actes posés par les hommes et femmes politiques. Merci, mes chers amis. Merci, mes chers compatriotes. Oui, tout rapport là. Donc, nous avons plaisir pour nous inviter, monsieur le Premier ministre, docteur Ariel Henry, à signer le document. Photographe. Monsieur Devant, yo. Monsieur Devant, là, c'est un gonflé comme ça. Attention, m'apprenez d'après le monsieur. Ah.
Votre attention après que le sénateur Ricard Pierre Félicien et M. André Michel, après M. Manès, oui. Après M. Manès, oui, après le Aout. D'accord, désolé. Les amis, babo là, non? Va faire les autres là, non? Oh. Tout nous-mêmes. Ça va bien, ça va bien. Je suis en train de faire des You know, look at it.
Faites attention, si bon monde qui signe, il a juste quitté l'espace là. Si tout le monde a fini, il a juste déclaré qu'il quitte l'espace là. On a fait ça à tout le monde. Merci. Monsieur,